Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno, on se retrouve aujourd'hui avec la pêche, la patate et la banane. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay des frères SLB, déjà pour présenter un petit peu, qui va se dérouler sur MW3 au 44 Magnum, puisque ça va être une MOAB au 44 Magnum. Alors tout d'abord, je voudrais passer un petit message. Donc, certains d'entre vous vont voir ce gameplay sur la chaîne de Team de la Neue Rage et d'autres sur Code CF. Alors, tout d'abord, à nos abonnés, bonjour à vous. Sachez que si je présente ce gameplay aujourd'hui sur les deux chaînes, c'est tout simplement parce qu'avec Code CF, on a décidé de tenter un petit concept qui est tout simplement, en gros, de proposer des défis à la Team Rage. Donc à nous, hein, pour vous les abonnés de la team, vous nous connaissez, et nous de les réaliser et de les upload tous les vendredis ou une fois sur deux tous les vendredis sur Code CF, notre tentative réussie ou notre meilleure tentative. Voilà, pour vous, donc abonnés de Code CF, et ben déjà bonjour à vous. Voilà, et comme vous avez pu le comprendre, donc je suis Hypno, leader et fondateur de la Team Rage. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, je ne vais pas vous casser la tête, c'est tout simplement, voilà, on est une team FR qui réalisons des performances et des fois aussi des live fun sur les Call of Duty. Voilà, par exemple, juste pour citer un exemple, on détient pour le moment la nucléaire la plus rapide sur Call of Duty Black Ops 2, connu sur YouTube, je dis bien connu parce que peut-être qu'un mec l'a fait plus rapidement chez lui mais ne rec pas, n'enregistre pas. On l'a réalisé en 44 secondes, c'est un gameplay qui a été réalisé par Globox. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne, voilà tout. Donc maintenant on va un petit peu faire la liaison entre les deux, hein. Ce que je vais dire sera valable aussi bien pour les abonnés de la Team Rage que pour vous abonnés de Code CF. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, chaque vendredi ou un vendredi sur deux, on verra comment dire, votre demande et on verra aussi à quelle vitesse on peut réaliser les choses. Vous devrez dans l'espace commentaire sur Code CF, je dis bien sur Code CF, donner un défi à la Team Rage. Alors ça peut être tout type de défi, hein. Bien sûr, alors ce que je vous demanderais, c'est de ne pas abuser, genre admettons 8 MOAB n'existe pas sur MW3 ou n'a jamais été réalisé, n'allez pas nous sortir direct. Oui, on veut 8 MOAB. Voilà. Restez quand même, peut-être monter crescendo, d'accord. Voilà. Cherchez peut-être de la performance, basique au début, puis montons tout doucement. Voilà. Si possible, dans les Call of Duty récents. Pourquoi? Parce qu'une grande majorité tentant de la performance sur la Rage et sur PlayStation 3 et aussi Xbox. Mais en gros, le problème des anciens Call of, c'est que sur Xbox, ça va, on peut trouver des parties non hack, mais sur PlayStation 3, c'est quasiment impossible. Donc, les défis vont être encore plus compliqués pour nous. Donc, vraiment, essayez sur Black Ops 2. Maintenant, vous pouvez proposer un défi quand même sur un autre Call of. On va regarder parmi les défis les plus demandés, hein, et puis parmi les plus demandés, on va dire parmi les trois les plus demandés, on va en choisir un. Voilà, on va essayer de le réaliser. Et quand on aura réussi le défi ou très proche, on uploadera le vendredi prochain cette vidéo commentée par moi-même sur Code CF. Voilà. Et dans cette vidéo, en commentaire, vous reproposerez le défi suivant, etc., etc. Pour pas que la vidéo non plus se retrouve deux fois sur la Neue Rage et sur Code CF, à part aujourd'hui pour présenter le projet, on devrait normalement upload que le résultat défi, la vidéo complète sur Code CF. Et sur la chaîne de Team, pour pas vous oublier, je pense que je vous uploaderai genre un top 5. Et au bout du top 5, une partie de la vidéo, d'accord, défi, avec un lien cliquable pour la voir en entier sur Code CF. Alors, pourquoi ça? C'est très simple, vous n'êtes pas dupes. YouTube maintenant existe depuis un petit moment. Tout simplement, c'est une interaction. En gros, on invite nos abonnés à découvrir Code CF. Pourquoi? Bah parce que comme ça fait des nouveaux abonnés pour Code CF, ce qui permet aux jeunes qui passent sur Code CF d'avoir encore plus de monde qui peuvent regarder leur gameplay, parce que les gens de la Neue Rage qui vont venir sur Code CF vont pas regarder que notre défi, ils vont fouiller un petit peu sur Code CF et peut-être ils vont s'abonner à votre chaîne, à vous qui êtes passé sur Code CF. Et nous, on y gagne quoi? Et bien tout simplement à être montré aussi à un plus large public, etc. Et en même temps, ça crée une interaction pour les abonnés de la Team Rage et pour ceux de Code CF à proposer des défis sympathiques. Et ça crée un lien entre vous et nous, abonnés des deux chaînes. Donc, moi, je trouve le concept très bien.
En plus, tout le monde y est gagnant, etc. Puis on va s'adapter un petit peu. Si vous aimez vraiment, bah, peut-être qu'on fera tous les vendredis. Si vous aimez bien, mais pas trop, bah, on fera un vendredi sur deux, etc., etc. Voilà. Donc, bien sûr, pour montrer que le concept vous plaît, bah, lâchez juste un petit j'aime, hein, pour montrer que ce soit sur la Team Rage ou sur Code CF au moment où vous voyez cette vidéo, un petit j'aime pour montrer que vous aimez vraiment ce concept. Et puis, bah, dans les commentaires, c'est très simple. Dans les commentaires de Code CF, lâchez vos défis. Évitez de les lâcher sur la chaîne de Team Rage parce que c'est vraiment sur Code CF qu'on va aller chercher les défis. Alors, je vais quand même regarder aussi les commentaires sur la Team Rage, mais sachez que les défis seront pris uniquement sur Code CF. C'est vraiment le but, hein. C'est que vous, voilà, c'est que ce soit dans l'espace commentaire de Code CF, puisqu'après ce sera sur Code CF que seront comment dire, les défis en entier. Vous avez vu qu'au passage, il a réalisé sa MOAB au 44 Magnum. Je voulais également vous signaler, c'est un petit peu pour ça aussi que je choisis ce gameplay. Vous allez voir qu'il va perdre la partie. C'est vraiment pour vous dire, quand vous nous donnez un défi, le but c'est de réaliser le défi. Donc on vous mettra que le défi. Si c'est une MOAB, on vous mettra le premier et le dernier kill et c'est tout. Voilà, donc c'est vraiment le défi, c'est le but de ce concept, c'est les défis. Donc j'espère que ce petit commentary en face commentary vous aura plu. J'ai essayé de regarder un petit peu la caméra en même temps le gameplay. Donc n'hésitez pas à lâcher un max de j'aime. Je pense, en tout cas pour Code CF, je ne sais pas le nombre de j'aime qu'il y a en moyenne. Je pense que sur la Team Rage, on peut montrer que la rentrée, ça y est, c'est bon, on l'a bouffé, que c'est bon. Je pense qu'on peut repartir sur un petit 1000 j'aime pour ce concept. Et n'hésitez pas dans les commentaires de Code CF à tout simplement nous lancer vos défis. Alors moi, j'espère que ce concept vous aura plu. Vous aurez dans les deux chaînes, dans la description, les chaînes des deux, Code CF et la Team Rage. Moi, je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, bah, tout simplement, à très bientôt pour voir si nous avons réalisé notre premier défi ou pas. Je vous dis, portez-vous bien, c'était Hypno, à la prochaine, ciao, bye bye.